Excusez-moi, monsieur, mais vous avez un nez très grand et même gros. Semblable à Pinocchio. Vous pouvez dire, oh Dieu, il y en a des choses, en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, s'il y avait un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou bien de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous, monsieur, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se pâne. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe, éléphanto, camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi l'ami, ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode.